Bonjour Marie-Christine Bélanger pour Monde Marie-Belle. Je suis vraiment, vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui. J'ai une invitée avec moi, Geneviève. Bonjour! Donc Geneviève est venue me rencontrer aujourd'hui pour me parler d'elle un peu. On ne sait pas où ça va aller. Hein? On n'est pas préparé du tout. On se lâche lisse. Toi, tu es hypersensible? Oui, exactement. Est-ce que ça fait longtemps que tu le sais? C'est drôle, c'est ça, j'allais dire, j'en ai pris conscience, ça va peut-être faire maximum 10 ans. Gros maximum 10 ans, mais j'ai réalisé quand même assez vite que j'étais très, 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 très sensible à des choses que les gens n'étaient pas. Oui, ça, ben c'est quand même bon, t'écoutes plus que moi, je pense. Moi, ça fait moins que ça. C'est bon, c'est bon. Tu l'as remarqué, peut-être juste donner des petits exemples de comment tu l'as remarqué. Tu sais, moi, pour moi, l'hypersensibilité, c'est sûr que ça se traduit par tout ce qui est sensoriel, premièrement. Fait que tous les sons, toutes les conversations, les bruits, les couleurs, la lumière, peu importe le stimulus, moi, ça m'affecte énormément. Fait qu'il y a ça. Il y a les émotions aussi. Je ressens tellement. Je ressens tout et n'importe quoi en tout temps. Fait qu'à un moment donné, j'ai fini par le réaliser que j'étais pas comme mes amis, mettons. Okay. Mes jeunes amis qui s'amusaient, puis qu'eux autres, il y avait aucun problème, ils s'en rendaient pas compte, puis il y avait moi qui étais super affectée partout. C'est là que j'ai commencé comme à le réaliser tranquillement. Mais si je pourrais dire, c'est ça, ça fait à peu près 10 ans que j'en ai pris conscience, sauf que le nombre d'années que j'essaie de travailler dans cette direction-là, ça fait peut-être moins longtemps. Là. C'est ça, j'avais comme 13 ans. Oui, c'est ça. J'étais jeune. OK. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, peut-être ta modification de carrière? Qu'est-ce que tu faisais, toi? Parce que tu as quand même fait... Oui. On se connaît un petit peu, là, on s'est rencontrés. Ça t'a fait des petits changements. Peut-être commencer par là? Oui, on peut. Dans le fond, moi, comment que j'ai commencé? Tout ce que... Dans le fond... Je vais partir du début. Moi, quand je suis sortie du secondaire, j'ai été faire mon cours pour étudier en réadaptation physique. Je voulais être physiothérapeute. Fait que moi, je me suis enlignée là-dedans pendant un an et demi de temps, jusqu'à temps que j'aie un cours de pathologie sur les maladies. Et j'ai trouvé ça complètement incroyable. Fait que je me suis dit, hey, je vais aller en soins infirmiers. En allant en soins infirmiers, c'est là que j'ai découvert vraiment à quel point que je me fais rentrer dedans par tous les stimulus, les émotions et tout. Parce qu'en soins infirmiers, tu commences à faire tes stages dès la première session en milieu hospitalier. Donc, tu t'en rends compte assez vite. Et moi, au final, j'ai arrêté d'être en soins infirmiers parce qu'il y avait tellement de détresse humaine que j'arrivais pas à m'en couper. Puis tu sais, c'est à tous les niveaux, là, tu sais, il y a les patients qui passent la pire journée de leur vie qui sont là, t'as les employés qui sont complètement exténués, fatigués. Ouais. Fait que pour quelqu'un qui est hyper sensible, c'est très rough. On n'arrive pas nécessairement à se couper de tout. T'es capable, mettons, de faire un mur émotionnel sur certaines choses, mais tout le reste des stimulus sont quand même présents et t'arrives pas à t'en couper. Moi, ça m'a même mené à faire un burn-out à 21 ans. Ouais. Donc, ça vous arrive, vous n'êtes pas seule. C'est ça. quand on ressent trop à un moment donné puis qu'on n'est pas capable de le gérer, ça peut mener à des choses moyennes. Fait que moi, ça m'a mené à changer de carrière carrément. Comme là, je suis rendue au bureau des commandes dans un truc d'acier architectural. mais j'aide les gens, parce que c'est sûr que ça, c'est un point de tous les hyper sensibles. On ressent tellement qu'on veut aider les gens. L'empathie. Oui, je veux aider tout le monde. Je voudrais aider la terre entière, tu sais. J'ai essayé en étant infirmière, et c'est ça. Ça n'a pas marché. Il n'y avait pas d'équilibre, dans le fond. Non, c'est ça. Pour moi, j'arrivais pas à mettre vraiment un barrage émotionnel puis un barrage de tous les stimulus. C'est vraiment quelque chose. C'est vraiment... j'étais aussi, mettons, dans les centres de personnes âgées, dans les CHSLD. Et c'est là que j'ai vu beaucoup, beaucoup de misère humaine, si on peut dire. Beaucoup de solitude, manque d'amour. Puis ça venait tellement me chercher, ça... Tu sais, pendant que tu travailles, tu essaies de pas y penser, tu fais tout pour donner de l'amour à ces personnes-là, mais quand tu rentres chez toi le soir, puis que tu prends le temps d'y penser, c'est dérangeant, c'est fort. Ouais. C'est très fort comme...
C'est chaud. Fait que, ouais, moi, ça n'a pas marché. Puis, vu que j'avais au niveau personnel aussi, pendant cette période-là, j'avais comme des problèmes, si on veut. Ça allait moins bien. Donc, tout ensemble a fait que ça l'a éclaté à 100%. Mm-hmm. J'étais plus capable. Qu'est-ce que tu as fait pour t'aider à sortir de ton burn-out, finalement? Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, depuis cette journée-là, j'ai comme un dire, si on veut, qui est que des fois, faut que tout explose pour aller rechercher les parties que tu veux. Les belles pièces pour te reconstruire, te rebâtir. Donc moi, à partir de cette journée-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé d'emploi, évidemment. J'ai changé de domaine. Donc j'ai commencé par me respecter sur ce côté-là. J'ai commencé à changer mon environnement aussi, les amis qui m'en demandaient beaucoup, puis pas nécessairement, c'est pas des mauvaises personnes, là. C'est juste que moi, avec l'énergie que j'ai à donner, puis avec tout ce que je ressens, c'était pas égal. Donc j'ai commencé à tasser ça tranquillement. Je consommais aussi dans le temps, parce que j'essayais, en ressentant trop de stimuli, j'essayais de trouver comme un endroit calme, si on veut, de venir geler, si on veut, tous les stimuli. Donc moi, ça a été la consommation, malheureusement. Donc j'ai aussi arrêté de consommer. Ça fait maintenant 1 an et 4 mois. Yeah! Non, mais c'est ça. Puis tu le fais pour toi, oui, ça. T'sais. Oui, c'est pour moi, parce que j'ai cru finalement que j'avais... En tout cas, ça, c'est un autre... L'autre capsule, OK? C'est un autre aspect. Mais c'est ça, que d'arrêter de consommer, puis prendre le temps de réaliser à quel point que je ressens les choses, puis d'arrêter de fuir, puis de prendre le temps d'essayer de comprendre comment que je fonctionne, puis OK, ça m'affecte beaucoup, donc je vais faire attention à ça. Je vais essayer de faire telle chose pour m'aider. Ça a été quelque chose aussi. Fait que ouais, moi, il a fallu que je remette toute ma vie en place, à 100%. Donc, durant les 2 dernières années, c'est ça que j'ai travaillé à faire beaucoup, beaucoup. Ouais. Ouais, ça, c'est long, c'est dur, mais ça en vaut la peine. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, on a eu une petite mini-conversation avant le début de l'entrevue, puis c'est vraiment, il y a énormément d'empathes qui ont ou d'hypersensibles qui ont des dépendances, que ce soit à la nourriture, des fois au niveau du sexe, dépendance affective, la drogue, l'alcool. Donc, il y a plein de moyens d'aller chercher d'aide, mais c'est ça, c'est que ce débordement de sensations-là qu'on a tout le temps qui peut faire que, oui, des fois, on a envie de... Oui, parce que quand t'en es conscient, que t'es hypersensible, mais que tu sais pas comment aller t'aider de d'autres façons, de façon saine, tu vas rechercher la façon la plus simple aussi. Veux pas. Parce que l'humain, on est comme ça en général. On aime le confort, on aime nos petits crocrons. Fait qu'on se crée une petite routine. Puis ça peut inclure la dépendance. Donc, c'est ça. Puis, tu sais, quand on consomme, justement, comme moi, c'était vraiment au niveau de la consommation. Quand on consomme, tu sais, pour une fois, enfin, il n'y a plus rien. Tu sais, tu ressens plus. Ou si tu le ressens, t'en es moins conscient. Oui. Donc, il a fallu que je réapprenne à faire tout ça, mais à jeun. Oui. Puis à me couper de, justement, tous les stimuli. Puis qu'est-ce qui peut m'apaiser? Puis qu'est-ce qui peut m'aider autre que d'aller faire ça? Est-ce que t'as-tu trouvé des choses maintenant? Oui. Sûrement, là, mais est-ce que tu peux donner des exemples? Oui, bien sûr. Bien, c'est sûr que, maintenant, je sais, moi, c'est ça, tout ce qui est les sons, ça m'affecte beaucoup, les couleurs, les bruits, n'importe quoi, des conversations, les émotions des gens, tout ça ensemble, ça vient vraiment me chercher en tout temps. Donc, j'essaie de limiter mon temps, si on peut dire, entouré de trop de personnes. Parce qu'avec, mettons, 1 ou 2 personnes, je suis capable de gérer. Ça gère très bien. Mais dès qu'on dépasse, mettons, 5, 6, 7 personnes, à partir de là, moi, j'y arrive plus. Ouais. Là. Ouais. C'est vraiment trop. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que si je dois aller, mettons, dans une situation qui inclut ça, donc, mettons, un souper de famille, quoi que ce soit, tu n'as comme pas le choix d'être là. Ça arrive. Il faut, tu sais. J'essaie de limiter mon temps. Donc, tu sais, puis dans ma journée, j'essaie de me reposer. Oui. J'essaie justement d'avoir le moins de stimuli possible pour... que, mettons, l'heure ou le 2 heures que je vais passer là-bas, je sois capable de le tolérer. Je vais essayer de me mêler au moins de conversations possibles, si on peut dire. Je vais pas être dans le centre de toutes les conversations en train de parler à tout le monde. Ça m'étourdit trop. Faut que je sois dans un coin où je parle avec une personne. T'sais, je trouve une personne avec qui que c'est facile à parler, puis je reste avec cette personne-là. C'est ça. Okay. Donc, c'est sûr que je fais ça.
Aussi, vu que je travaille dans le service à la clientèle maintenant, au bureau des commandes, tu fais juste ça, parler à des gens, oui, longueur de journée. Puis gérer des situations qui sont plus ou moins agréables. Positive, oui, c'est ça. Donc, c'est sûr qu'après ça, moi, je le sais, les soirs de semaine, je suis zéro fonctionnelle côté social. Maintenant, je le sais, je l'accepte, c'est correct. Mm-hmm. Donc, moi, le soir de semaine, cherchez-moi pas ailleurs que chez nous. Je suis chez nous, en train de me reposer, prendre un bain, souper tranquille. C'est comme laisser le temps à toute ma tête puis toutes mes sensations de se vider, si on veut, avant d'aller me coucher. Ça me prend vraiment comme un 2 heures où il n'y a rien. Ou est-ce que je peux prendre un bain, lire un livre, quoi que ce soit. Je peux faire de la méditation, du yoga. Des fois, je fais du yoga. Mais t'es bonne! Non, mais c'est vrai! T'as déjà découvert ça à ton âge! Je te félicite. Non, mais c'est vrai, parce que c'est vraiment comme un niveau de stimuli ouais, qu'il faut gérer dans la journée ouais, pour être capable de ne pas te dépasser chacun à son niveau, ouais, dépendamment de son hypersensibilité. Puis toi, t'as déjà vraiment bien compris ça. C'est sûr que des fois, ouais, ça débalance, là, parce qu'on n'est pas toujours capable, mais je te félicite vraiment. Merci, c'est gentil. C'est un bel exemple! Non, mais, tu sais, c'est parce qu'en même temps, comment je pourrais dire ça? T'sais, moi, c'est ça, j'ai fini par comprendre que ma limite est vraiment basse. Puis à place de me battre contre elle, parce que j'ai décidé de juste vivre avec elle. Donc, un coup que tu l'acceptes, c'est beaucoup plus facile de laisser aller les choses puis de travailler avec les choses. Donc, ça me dérange pas, tu sais, ça m'handicape pas d'être hypersensible. Au contraire, tu sais, comme, quand que je suis dans un bon feeling, justement, que j'ai pas été trop stimulée dans ma journée, je suis capable d'aider des gens, tu sais. Je suis capable d'en parler, je suis capable comme en ce moment. Oui! Je suis capable de, tu sais, d'en faire plus. Mais il y a des journées que ça arrive pas. Puis c'est correct, tu sais, comme... Ça peut m'arriver une fois par semaine environ, maximum, que je suis capable d'aider, de redonner, si on veut, vraiment concrètement. Sans me vider. Wow! Ouais. Mais je suis encore en rétablissement, tu sais. Oui, mais... Donc, j'ai besoin de dormir, j'ai besoin de me reposer, de me recentrer, d'accepter, c'est ça, comment que je suis. Puis, ben les gens qui comprennent pas, ils comprennent pas, puis je me bats pas contre eux. Wow. C'est pas vrai. Mais c'est parce que ça, tu l'as dit aussi tantôt, puis il faut insister. Souvent, quand on met des gens peut-être de côté dans notre vie, c'est pas parce que c'est des mauvaises personnes. Non, du tout. C'est ça, c'est qu'au niveau de la compréhension des modes de vie, des fois, ça... Ça convient pas, dans le fond, là, tu sais. Oui, puis, tu sais, il faut comprendre aussi que c'est pas tout le monde qui est au même niveau. Non. Qui est au même niveau d'apprentissage ou au même niveau... De conscience. Ouais, oui, carrément, de conscience. Et on peut pas leur en vouloir à ces gens-là. Ils sont ce qu'ils sont, puis c'est correct. T'sais, un coup que t'apprends vraiment à laisser aller les situations puis à pardonner beaucoup de choses dans ta vie, puis à te pardonner à toi-même aussi d'être comme très fatigué ou d'être vraiment comme... J'ai juste le mot en anglais, overwhelming. Overwhelmed, oui, c'est ça. C'est plate, comme ben, surstimulé ou un peu dépassé par les événements, les émotions. C'est ça. Fait un coup, t'es capable de vraiment pardonner à tout le monde parce que ça arrive à tout le monde. Puis un coup, t'es capable de pardonner aux gens qui sont blessés, qui projettent aussi du caca d'énergie, si on veut, là, parce que c'est carrément ça. Un coup, tu pardonnes, puis tu sais que c'est pas nécessairement leur faute, qu'ils en sont pas conscients. C'est beaucoup plus facile de juste pardonner aux gens, puis en espérant aussi qu'un jour, eux vont comprendre. S'ils comprennent pas, mais qu'est-ce que tu veux? L'important, c'est nous-mêmes. Hein? Oui. On est le plus bel amour qu'on va avoir dans notre vie. C'est vrai. Et toi, là, tu me fais une belle entrevue. Tu fais un beau plaisir ce matin, un beau cadeau. Oui. Ben, Geneviève a une autre passion aussi. Mm-hmm. Ton espace de création, de liberté, même de vulnérabilité, je pense. Hein, oui, carrément. C'est ça, moi je te suis sur Instagram aussi. Oui. Est-ce que tu veux nous parler de cette facette-là de ta vie? Avec plaisir. Oui, donc moi je fais de la photo. Moi je suis une modèle aussi. Et puis je fais toutes sortes de photos. vu que je suis à l'aise avec mon corps, je peux faire du nu artistique, je fais du boudoir, je fais autant du streetwear. J'ai fait pas mal tout. J'ai fait selon le plaisir et tout et tout. Mais comment que ça a commencé? C'est que j'avais toujours eu cette envie-là. Toujours comme à l'intérieur, je me disais, il me semble que ce serait le fun. Il me semble j'aimerais ça essayer. Puis quand j'ai commencé à le faire, je me suis vraiment découvert une passion par rapport à ça. J'ai découvert une facette de moi qui est à l'aise devant la caméra, puis qui est capable de donner, de vraiment faire ressentir une émotion dans une photo, de faire transparaître ça. Et tu sais, on va se le dire, mettons, quand on me regarde, j'ai pas un look conventionnel. Je
suis tatouée de la tête aux pieds. Dans le temps, j'avais les cheveux roses, tu sais. Je suis percée. J'avais des stretchs, là, j'ai décidé de les fermer, mon cas. Et c'est ça. Puis moi, dans le fond, dans cette facette-là, dans ce que je suis, puis dans le nu artistique, je ressors beaucoup du lot. Parce que normalement, dans le nu artistique, c'est des femmes qui sont super grandes, ouais, élancées, avec les grands cheveux longs, pas de tatouage, pas de piercing, pas rien. Puis là, t'as moi qui arrive, là, j'ai complètement pas rapport. Non, c'est ça. Non, mais qui arrive avec... Ah oui, c'est ça, avec mon propre style, disons ça comme ça. Puis avec mes courbes aussi, parce que, tu sais, j'ai pas la shape, si on veut. Le standard. Ouais, j'ai pas le standard de grande femme élancée de genre 7 pieds de haut. Tu sais, je suis pas grande, j'ai les cheveux courts. Et bref, moi, j'arrive là-dedans, puis j'ai comme... au travers de moi, de mon plaisir à me découvrir puis à m'amuser, j'ai aussi apporté beaucoup, je crois, à certaines personnes parce que je suis venue briser certains standards, justement. J'ai eu quelques messages de filles qui venaient m'écrire puis qui me disaient, tu sais, ça me fait du bien de voir ce que tu fais parce que je te trouve super belle sur tes photos. Puis je réalise que t'as le même corps que moi, mais moi, je m'aime pas. Ouais. J'ai eu des messages comme ça, puis ça m'a complètement chamboulée, si on veut. Je m'attendais pas à une réaction comme ça, mais ça m'a fait du bien de voir que moi, en m'assumant, puis en étant justement dans ma créativité, puis en m'amusant, puis en faisant ce que j'aime, que je pouvais encore là aider des gens au travers de ça. Ça a vraiment été... c'est une belle expérience. Quand on se laisse aller, puis qu'on décide qu'on s'assume comme on est, des belles choses qui ressortent. C'est ça, tu peux inspirer en étant toi-même. Puis comment, qu'est-ce que ça t'apporte? Parce que dans le fond, tu te vides pas quand tu fais ça, tu sais. Énergétiquement, il y a comme un échange, tu sais, dans le fond, parce que c'est un don de toi. Ouais. Ou est-ce que tu as tendance quand même à tout donner? Oui, moi, tu dis. Ah! Moi, je suis une extrémiste. Ouais. C'est tout ou rien. Donc, même au niveau énergétique, c'est ça. Donc, moi, c'est sûr, je suis capable de faire un photoshoot pendant, mettons, 2 heures sans me vider. Mais je te dirais que oui, c'est toujours une belle expérience parce que je rencontre des gens qui sont souvent plus conscients de leur personne puis aussi de qu'est-ce qu'ils projettent. Tout est dans le respect également. C'est des gens qui sont super respectueux. Donc, c'est vraiment un plaisir de rencontrer des gens comme ça. Ça fait un bel échange. Ça apprend vraiment à connaître plusieurs types de personnalités. Si tu veux, tu découvres tes amis aussi au travers de ça. Des gens qui comprennent d'autres niveaux. Puis... Tu vois, selon tes capacités encore là, moi, ça m'a apporté... moi, ça m'a aidé à mettre mes limites. Moi, je vais dire ça comme ça. Ça m'a aidé à mettre mes limites. Oui. Parce que dans le nu artistique, la ligne est mince. Ouais. La ligne, elle peut être très mince entre qu'est-ce qui est vulgaire, non-vulgaire, ou qu'est-ce que, tu sais, quand ça rentre vraiment plus intense. Ouais. Moi, j'ai toujours refusé. Même si je fais du nu artistique... Moi, c'est très clair. Moi, c'est pas plus vulgaire que ça. Il y a certaines parties que tu verras jamais. Puis moi, ça, c'est non discutable. Ouais. Donc, j'ai appris au travers de ça d'arrêter de me faire piler dessus. J'ai appris vraiment à m'affirmer, à tenir mon bout. Moi, mon plaisir, c'est tant que ça reste dans ces normes-là. Si on sort de ça, j'ai plus de plaisir. Okay. Je me sens agressée. Ouais. Je me sens forcée. Puis c'est pas ça que je recherche. Non. Donc, j'ai appris vraiment à mettre mon pied à terre et à dire, écoute, par exemple, si j'ai un photographe qui juste en conversation, mettons, électronique, il focus vraiment sur un point, mettons, partie génitale, qui veut vraiment voir ça, vraiment, vraiment, parce que lui, il y a une fixation là-dessus. Peu importe pourquoi, là, tu sais. Dès que ça me dérange, au moment que ça me dérange, je veux pas aller plus loin. Je bloque totalement. Moi, c'est non. Mais est-ce que tu pourrais dire, justement, que une de tes forces... d'hypersensible, c'est d'avoir un instinct puis d'être connecté à ça, ton intuition. Oui. Est-ce que tu veux nous parler de quelques petits pouvoirs magiques peut-être pour toi avant qu'on finisse l'entrevue? Ben oui, je peux faire ça. Oui, ben justement, ça m'a dans cet aspect-là, l'intuition m'a vraiment beaucoup aidée parce que moi, c'est ça, j'ai l'intuition qui est à 100 000 à l'heure dans le tapis en tout temps. Je rencontre une personne, je sais exactement c'est quoi ses problèmes, je sais exactement c'est quoi ses peurs, ses fiertés. Je le sens. Automatiquement, je le sens, ça va, c'est comme ça. Donc, même en parlant avec quelqu'un, la manière qu'il va utiliser certains mots, automatiquement, il y a des liens qui se font, il y a quelque chose qui bloque, puis non, c'est un non automatique. Fait que ça m'a vraiment aidé dans certains cas. Surtout au niveau de la photographie, ça arrivait une fois qu'un photographe que
Justement, je me suis rendue là-bas parce qu'en message, j'étais correct. Mm-hmm. Puis moi, j'ai commencé aussi quelque chose. Faut que mon copain puisse m'accompagner. Oui. Parce que pour moi, je trouve pas ça normal que quelqu'un refuse que je sois accompagnée. Mm-hmm. Surtout pour ça. Moi, ça, ça fait partie de ma limite. Mm-hmm. Puis mon copain était là. Puis c'est ça, je me suis sentie vraiment mal à l'aise. J'avais l'impression que le gars voulait me transformer en poupée. Mm-hmm. Comme de qu'est-ce qu'il voulait de ses désirs, ouais. Si on veut. Et... Écoute, j'ai fait des shows tout nus, parce que je me sentais plus à l'aise et plus en confiance, ouais. Que cette fois-là, puis j'étais même pas déshabillée, là. Okay. J'étais toute habillée, là, puis ouais. Je me sentais agressée. Énergétiquement, il y a quelque chose qui... Ouais. Okay. J'ai fait une crise de panique, wow. Carrément, puis j'ai okay. Dit à mon copain, il était là, j'ai dit, écoute, on s'en va, mon char de là. OK. Mais tu sais... Puis par la suite, pour apprendre que ce photographe-là, ben c'est pas la première fois ouais. Qu'il y a des histoires comme ça qui ressortent. Fait que tu sais, mon instinct a été comme super bon là-dessus, ouais. Tu sais. Ouais. OK. Ouais, ben c'est ça. Moi, je dirais que c'est vraiment l'instinct, c'est vraiment qu'est-ce que je ressens des gens. Ça l'a du bon, ça l'a du moins bon. Ça dépend qu'est-ce que t'en fais. Oui. Ça dépend comment tu le gères. Parce que justement, si tu veux aider quelqu'un, c'est super le fun. Tu connais déjà la personne en là. Tu sais, sans avoir besoin de trop y parler, tu la comprends déjà. Donc, ouais. C'est pas. C'est plus facile pour nous. Mais c'est sûr que si t'es toi, ça te tente pas d'être dans ce mood-là, puis t'en ressens tout le monde, ben c'est moins évident. Mais oui. C'est pas grave. Oui. C'est la beauté. T'as-tu des petits trucs de protection que tu fais, ou des petits rituels? Sortir dehors, ça m'aide beaucoup. Tu sais, mettons, quand je suis au travail, puis là, ça il y a quelque chose qui se passe, là, puis là, l'énergie commence à, comme... peut être bien, bien belle, je sors dehors. Okay. Je vais respirer, faut que je respire, faut c'est que bon. J'aille me vider la tête. Pas le choix, faut que j'aille faire comme vraiment un reset des sensations parce que sinon ça fait juste continuer de s'empiler. Wow, très bon truc. Ouais. Prendre c'est... une certaine distance. Ouais, ouais, exactement. La nature aussi, le l'air, le soleil, ok. Ouais, puis il y a aussi le fait que souvent, tu sais, moi il y a les mots m'affectent beaucoup. Ouais. Ouais, les super ça. Mots. Les mots m'affectent vraiment beaucoup. Donc, admettons, quand que. Quelqu'un va dire quelque chose, puis cette parole-là va me blesser. Le fait que je comprends la personne fait que je suis capable de me rationaliser. Je suis capable d'aller me dire, écoute, il a pas voulu te faire de mal. Mm. Cette personne-là, c'était pas voulu. L'intention n'était pas de te blesser. Mm. C'est toi qui es sensible. Mm. C'est toi qui l'as pris comme ça. C'est comme, c'est correct, laisse-le aller. Mm. Laisse-le aller. Fait que c'est vraiment d'aller travailler. Je sais que je suis comme ça. Donc, en m'acceptant... C'est plus facile. Oui, mais c'est un gros défi, hein? Parce que ouais. Je te dirais qu'il y a comme une énergie derrière un mot. Oui, absolument. C'est ça qui est dur à expliquer des fois aux gens, oui. Tu sais, on capte l'énergie parce que souvent, la personne n'a pas la mauvaise intention en disant ce mot-là, genre mm-hmm. ces lettres-là, mais ouais. En tout cas, pour nous, on peut percevoir comme une énergie qui se dégage derrière le mot. Oui, oui. Tu sais, il faut aller sinon, quand la personne a dit un mot, puis t'es comme... pas trop sûr de comment tu le prends. Moi, qu'est-ce que je fais? Ça arrive tout le temps avec mon copain, là. Je demande, qu'est-ce que tu veux okay. dire? Je prends le temps avant de réagir, okay. de prendre un petit step, puis je demande, qu'est-ce que tu veux dire par là? Mmh, c'est bon, ça. Parce que on a souvent tendance, justement, à le prendre, puis à, comme, réagir, parce que nous autres, ça vient nous toucher tout de suite, puis c'est souvent les gens qui sont hypersensibles sont anxieux aussi. Ouais. On est déstressés de la vie, on a trop de choses qui se passent, ouais. Donc, tu sais, okay. c'est de l'arrêter avant que ça parte. Ouais. Si t'es capable de juste faire comme, qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est-tu vraiment ça que t'essayais de dire? Ouais. Puis, ouais, souvent, ça peut désamorcer, tu sais. Puis c'est là que tu vas voir que la personne a juste la difficulté à s'exprimer. Wow. Ouais. C'est un petit combat à chaque jour, mais ça en vaut la peine. Oui. Ça en vaut vraiment la peine. Oui, vive l'hypersensibilité. Ah oui. On est spécial, mais on est des belles spéciales. Oui. Ouais. Je te remercie d'avoir pris le temps pour venir m'en parler ce matin. Oui, ça fait plaisir. J'avais vraiment hâte de te rencontrer. Hein? Oui. Puis ben, si tu veux, on partagera tes informations pour Instagram, s'il y a des gens qui sont intéressés ben à oui. suivre. Ça me dérange pas. Puis, ben c'est ça, je pense que t'as vraiment donné beaucoup de petits... plein de petits trucs au travers de ton témoignage. Puis, je pense que ça va vraiment toucher beaucoup de personnes. J'espère que ça peut vous aider. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Oui, c'est vrai, dans les commentaires, hein? Oui. Geneviève va même répondre dans les commentaires. Mm-hmm. Fait que merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci encore une fois à toi, Geneviève. Puis, je vous dis à très bientôt. Puis, prenez soin de vous. Bye!